That's it, man. Laurent Baffy. Je sors tout de suite le mot mystère avant d'oublier. Ça a bien marché la semaine dernière. Ah oui, c'est bonjour vrai. À Kenaton, bonjour Franck bonjour. Leboeuf. Bonjour. Il y a un nouveau jeu, c'est un mot mystère. Alors, vous avez déjà pris un verre d'eau dans la gueule? Non. Ça a dû arriver. Ça. Alors, voilà. Si vous dites le mot mystère, voilà ce qui vous arrivera. Vous prendrez un verre d'eau dans la gueule, donc essayez de ne pas le dire, hein, soyez un petit peu malin. D'accord. Akhenaton, bonjour, tu es là pour une actualité incroyable, tu as sorti un bouquin. Et alors non, il ne s'agit pas de me le renvoyer à nouveau dans la gueule. Nous, on est dans la réplique, nous, on est méchants dans la rap. Donc tu sors un bouquin d'entretien qui s'appelle La Face B, tu sors un triple album qui s'appelle également La Face B, tu n'as pas assez d'imagination pour avoir deux titres pour deux œuvres différentes. J'ai l'impression que tu es un petit peu au bout du rouleau, tu veux nous en parler. Mais oui, on aurait pu trouver un autre titre, non, c'est qu'il y a une cohérence en Attends, fait. On me demande dans l'oreillette que tu arrêtes avec cet accent ridicule parce que des gens écoutent l'émission. Donc parle normalement. Alors, nous aurions pu trouver un autre titre. Non. Moi, je veux bien, mais je vais te rajouter... Chose. Voilà, ah, nous aurions pu beau. Trouver... Tu sais que là, tu es mal barré, là. Bah oui, parce que Franck est de Marseille aussi. Tu es un peu en minorité. Vous connaissez le principe du Mr. Chatch? Bien sûr, vous êtes des fidèles de l'émission. Tout à fait. Voilà. Brigitte, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que vas-tu faire, Brigitte, pendant une heure? Je vais vous rappeler « Je danse le Mia » de Hayam Akhenaton. Vas-y, j'adore cette chanson. Au début des années 80, je me souviens des soirs où l'ambiance était chaude. Et les mecs rentrent et stintent mis au T'as pied. Perdu, le Brigitte. Regard froid, creusé la salle. Elle fait ça non-stop. Hein. Roulé autour du bras, rébanne sur la tête, sur vêtements, taquille. Marine, sans du rythme. Bonjour Marine. Ça fait mal. Bonjour, je pense que tu n'auras aucun mal à piquer le portable à Brigitte. C'est pas dit. Que vas-tu faire pour la niquer? Moi, je vais chanter. Ils ont les chaperons. Vive la Bretagne. Mais quel rapport? Mais quel rapport avec deux Marseillais? Ah, peut-être qu'on aura des invités surprises qui seront peut-être un petit peu bretons par la suite. Ah, d'accord. Le plateau les a l'air attend, oui. Un peu vite pour l'instant. Vas-y, Marine. C'est la coutume en Bretagne à la paix. Oh, ça commence comme la grosse bite à Didier, t'as vu? Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Un triomphe. Elle fait un tabac. Vive les Bretons. Je vois encore le rire des filles qui assistaient au ballet des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose. Elle influe, oh, cousine, tu danses ou je Et toi, Franck Leboeuf, c'est incroyable. Contre toute attente, tu vas faire du théâtre. Ouais. C'est Molière qui va se retourner dans sa tombe. Ah, j'ai appelé Jean-Baptiste et il m'a dit que tout allait bien, que je pouvais y aller. Tu es au Théâtre du Temple. Oui. Et tu joues l'intrus, une pièce à deux personnages. Exactement. Et j'ai vu un extrait, tu t'en sors pas mal. Et puis Merci. C'est une passion. Et moi, j'en respecte beaucoup les gens qui ont une passion et qui essaient d'accomplir leurs rêves, même si on ne les attend pas forcément là. Oui, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Et quand on me l'a proposé, j'ai lu le script et je me suis régalé parce que c'est une comédie policière et c'est vraiment le genre de ton que j'aime bien, avec deux Moi personnages aussi. Qui sont... C'est comme ça. C'est ce que je dis de Julie. Oui, THON wow. En ce qui me concerne. Énorme, bonne forme. Hein. Mais et qui a pensé à vous? C'est pas évident d'aller chercher Franck Leboeuf. Qui a refusé, surtout. Qui a refusé. Pour qu'on aille chercher un pauvre... On monte une pièce et on appelle Franck Leboeuf? C'est pas évident. Il faudrait lui demander. Il avait peut-être perdu, je sais pas, l'esprit. Mais il a fait appel à moi. Et puis j'étais un petit peu bloqué parce que je travaille pour une télévision américaine. Et en fait, quand il m'a dit... je m'en fous, je continue. Hein. Il a dit, bah, si tu peux pas le faire cette année, on le fera l'année prochaine. Donc j'ai trouvé ça super gentil, super mignon. Parce que c'était marrant, les gens qui me veulent vraiment. Et donc j'ai continué. Mm-hmm. Et tu vas fermer, ouais. Alors Akhenaton, on va s'intéresser un peu à toi, ta vie, ton œuvre, parce que le bouquin fait 450 pages. Donc tu es né le 12 novembre 1935. On commence par la naissance à Aubray. On n'est pas couché. Dans le Morbihan. C'est ça. Tu as six frères. Tu es diplômé du centre de formation des journalistes. Et J'allais chercher l'eau au puits quand j'étais petit. Voilà. Ça, c'est très important. Et tu épouses Maryse en 1984. C'est quoi cette histoire? C'est pas sa bio? Il n'est pas né en Bretagne? Mais si, 12 novembre 35 à Aubray, Morbihan. Mais non, mais c'est pas lui. Six frères.
Mais c'est pas Akhenaton. Formation journaliste, épouse Maryse en 84. C'est le épouse Maryse en 84 qui m'a rangé mes fiches. Non mais dénoncez-vous, hein. Non, parce qu'après, je passe pour un amateur, c'est dommage. Il répond, oui en plus. Trop tard, hein. Oui. Alors, et puis après, tu as complètement bifurqué et après, tu as été à Plan de Cuc. Ouais. J'adore le nom de ce bled. Tu sais comment on appelle les gens de Plan de Cuc? Oula. Les culs gelés. Alors, une grande question qui se pose, c'est est-ce que tu vas pas bientôt fermer ta gueule? Bah, je vais le faire. Hein? Pose-moi une question, tu vas voir ta réponse. Donc, bah, voilà, tu grandis, c'est vraiment c'est du pagnol. Hein, Ah, ouais, c'est assez champêtre, quoi. Enfin, c'est la dernière frontière avant le béton, en fait. J'ai du mal avec l'accent, hein, c'est terrible. Hein, c'est terrible. Tu parles pas français du tout. T'es habitué, on rayonne avec cet accent. C'est vrai. Et puis, il y a tout le folklore marseillais, l'alcool. La drogue, les putes. Voilà. Et tout alors, y est. Bah... Le foot. Le foot, et puis, bon, bah, le folklore. Par exemple, un jour, tu étais dans un bistrot, tu avais quoi, 10 ans, 12 ans, il y a un mec qui se fait buter sous tes yeux. Ah ouais, ça c'était. Ouais, j'étais gamin. Même on rit tout le temps dans ce livre. Hein, c'était particulier, c'était les années 80. C'était des années particulières à Marseille. C'était la fin de. French Connection. Voilà, il y avait un peu. Des groupes, un peu. Un petit nettoyage qui s'est opéré dans ces années-là. Alors, ce qui est formidable, c'est que le mec se fait abattre et tout le monde trouve ça normal. Les gens continuent, restent devant leur apéro et disent « ça devait arriver ». Alors, tes souvenirs... Peut-être que les gens, ils vont croire que j'ai grandi à Marseille. À Marseille. Non, mais voilà, c'est des trucs qui m'ont marqué dans ton bouquin. Bon, j'ai raconté le début d'IAM. Adorable. Tu es parti à New York. Là, c'était vraiment. Tu as découvert le hip-hop et c'était une révélation pour toi. Tu as passé après 2 ans à New York. Ouais, deux ans et demi presque, ouais. Et puis après, bon, les débuts d'IAM. Et puis tu as rencontré avec ta femme. Ouais. Tu es parti dans mon l'air, tes tromperies, tes maîtresses. Non, c'est très détaillé. La chenille. Tu parles de la paternité, tu parles de ta conversion à l'islam. Il y a des beaux passages là-dessus où tu expliques bien. Moi, je voulais savoir, tu t'es converti à l'islam par amour ou par conviction? Par conviction. C'est pas un cadeau que tu as fait à ta femme. Non, pas réellement. Mais bon, après, j'avais des convictions personnelles qui je faisais déjà. C'est venu par curiosité. Avec mes potes, je commençais à faire le ramadan avec eux. Par solidarité. Non, par solidarité. Par solidarité, parce qu'en été, personne ne mangeait. Et c'est toujours pénible de manger devant les autres, de boire devant les autres. Donc, j'ai fait par solidarité. Après, j'ai commencé à lire et c'est venu vraiment à travers les lectures. Tu as 3 enfants. Oui. Et quel est ton préféré, alors? Aucun. Tu en parles dans le livre. Tu dis, j'accroche plus avec... Pas du tout. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je fais pas du tout. Puis on apprend plein de choses sur toi. Bon, ben, t'as un peu des angoisses. Tu fais pas mal t'as des crises de pédophilie également qui te... Spasmophilie. Ah, merde. Pardon. C'est une coquille. Je suis content de savoir qu'après, c'est mon tour. Pascal, bonjour. Ouais, bonjour Laurent, bonjour au public. Bonjour. Moi j'ai une question pour Franck Leboeuf. Franck, tous tes anciens copains de foot qui ont été champions du monde ne sont pas reconvertis au théâtre. Pourquoi t'as voulu suivre les pas de Cantona? J'ai pas déjà voulu suivre les pas de Cantona. Comme je disais, c'est une passion depuis que je suis tout petit et je connaissais pas Eric Cantona à l'époque. Donc, Cantona, que l'amour. Je cite Brel. Hein. Oui, je sais. Mais je n'ai nullement envie de faire comme mes copains de 98. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je fais ce que je veux. Nos routes sont séparées. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font notamment des métiers toujours médiatiques autour du football. Mais moi, j'ai voulu changer de voie. Et puis, voilà. Et puis, ça... On tombe un peu avec Eric Cantona. Moi, je suis très fier parce que c'est un gamin de Marseille aussi. Et puis, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière, son ancienne et sa nouvelle carrière. Vous êtes allé le voir au théâtre? Non, j'irai le voir. Le voir, mais... Tu as gardé ta coupe chez toi? Tu as ta coupe? Oui. Toi, tu n'as pas de coupe chez toi, Philippe? Non. Il y en a une qui t'est passée sous le nez, dis donc. C'est quoi? C'est une victoire de la musique, non? C'est quoi cette coupe là? C'est quoi ça? On va te la prêter pendant la durée de l'émission, c'est pas à toi. Tu as failli l'avoir. Ah, c'est laquelle celle-là? Et ça t'a bien foutu les boules, c'est Titov qui a gagné. Ah ouais, c'était un jeu vidéo. On l'écoute. Si j'ai beaucoup de respect pour toi, je t'aime beaucoup et notamment
par rapport à un jeu qui s'appelle PES, qu'on joue en sur PlayStation, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Mais il a gagné et c'est vrai que tu étais vraiment un grand joueur. Tu as un bon style, un peu répétitif parfois, surtout sur les ailes. Mais voilà, bon, je t'ai fait un petit cadeau, je ne pouvais pas être là ce soir, parce que je ne suis pas sur Paris. Il te la prête, mais je pense que Laurent, notre ami Laurent Baffi, va te le donner. C'est la Coupe de la Raclée 2009, que j'avais gagné justement contre toi en finale. Tu dois t'en souvenir parce que c'était passé c'est à la télé. C'est une humiliation pour toi, tu le vis mal. Il y a des images qu'on peut retrouver en archive. Donc voilà, je te la prête pendant la durée de l'émission. Bonne émission. Allez, je la garde à côté comme ça. Ouais, pendant une heure, c'est une coupe que tu aurais dû gagner. J'ai pas eu de chance, c'est la faute du terrain, c'est la faute d'arbitrage. Je sors toutes tes excuses italiennes là. j'ai vraiment vécu un passage très difficile quand j'ai perdu cette finale aux jeux vidéo. Ça a été un grand moment de détresse. Je me suis senti très seul. Franck Leboeuf, bonjour. Bonjour. C'est pas toi que je parle. Franck Leboeuf, bonjour. Que faites-vous dans la vie ? Bonjour. Eh ben, je suis marchand de cycles. Et tu as quel âge ? 46 ans. Comment tu vis cette homonymie ? T'es fier ? T'as honte ? Oh ben ça m'a pas dérangé, surtout en 98 quand elle était champion du monde, ben c'était marrant quoi. T'as pas marqué en 98 toi ? Non. Ça s'appelle Archuma ça non ? Grave, j'étais avec mes copains, on a marqué l'histoire. Ça c'est joli. Bravo. Belle réponse. Ben t'es théâtral, tu commences à prendre les plis, bravo. Oui. Et toi, t'as beaucoup morflé à l'école avec ton nom, Leboeuf et tout. Ah grave, moi je voulais changer de nom, moi. À 17 ans, mon père m'a mis une grosse tarte dans la gueule, il m'a dit si tu changes ton nom, je te tue. Donc on l'a gardé avec mon frère, il m'a dit en fin de compte... Il m'avait fait comprendre que quand on l'entendait, on ne l'oublierait pas. Donc voilà, je l'ai gardé. Ouais. Et toi, Franck, qu'est-ce que tu as eu comme van à l'école ? Oh, bah, plutôt avec Leboeuf. D'accord, bah oui, forcément. Ouais, parce qu'avec Franck, c'est difficile de faire des vannes. Mais... On va prendre la nouvelle génération. Monsieur Levaux, bonjour. Super. Oui, bonjour. J'étais contre, hein. Vous faites quoi dans la vie, monsieur Levaux ? Je suis barman. Barman, d'accord. Et comment vous vivez votre nom ridicule ? Oh, bah écoutez, ça va, hein, je le prends bien, on s'est habitué, quoi. D'accord, Madame Lavache, bonjour. Allô ? Bonjour, Madame Lavache. Vous m'entendez, Madame Lavache ? Ah, je crois qu'elle regarde là de passer un train, faut attendre. Madame Lavache, vous êtes dans quelle gare, là ? On entend beaucoup de bruit derrière vous. Et là, c'est mieux, là, non ? Un peu, oui. Oui. Commence à me brouter, celle-là, je la vis. Oui. C'est votre nom de jeune fille ou votre nom de femme mariée ? Non, c'est mon nom de jeune fille. Et bien sûr, alors vous, votre grande chance, c'est de vous marier. Oui, ça c'est sûr. Vous êtes célibataire, monsieur Leboeuf ? Ça, c'est vraiment pas de bol. Et se marier avec un mec qui s'appelle Leboeuf. Leboeuf ! Le veau, la vache ! Parlez-vous, vous êtes entre vous. Vous n'avez rien à vous dire, hein ? Bah, bonjour maman, bonjour papa. Alors, ça, c'est pas possible qu'il appelle bonjour papa, puisqu'un veau, un bœuf, c'est un taureau castré, donc voilà, c'est pas possible. Le bœuf n'a pas bravo, de bravo, en tout cas, ça a fait un grand moment... De radio, ne bougeons plus. Voilà, on vous enverra les photos, on vous embrasse. Philippe Gildas et Maryse. Vive les Bretons. Bonjour Maryse, bonjour Philippe Gildas, quel plaisir de vous accueillir. Alors, merci, vous fêtez vos 50 ans de mariage, ça s'appelle les noces de sapin. Attends, et... on ne va pas commencer comme ça. C'est 28 ans qu'on va fêter, ce qui est déjà pas mal. C'est les noces de quoi ? Je ne sais pas ce que c'est comme noces. On a passé les noces de les 20 ans. Chez Bouygues, c'est de béton, mais ici, j'en sais rien. Philippe, tu t'es battu, Philippe ? Pardon ? Tu t'es battu ? Je ne me suis pas battu, j'ai une conjonctivite, comme ils disent, mais alors ils savent pas. Mais pas tes doigts dans les yeux. Mais bah oui, mais justement, c'est... Il a souffert tout le week-end. C'est pénible, oui. Oh là là, mais je suis venu quand même pour toi. Cataracte, conjonctivite. Presse vite aussi, pendant que tu y es, c'est plus marrant. Alors, je vous explique. Il y a un petit jeu qui s'appelle le mot interdit, qui est là. Et si quelqu'un le prononce, il se prend ce verre d'eau dans la gueule. Alors, n'y voyez pas une animosité quelconque, c'est juste un jeu. Donc, je vous demande simplement verre d'eau, alors. De ne pas dire ce mot. Hein. C'est aussi bête que ça, il ne faut pas dire ce mot qui est là.
Alors Philippe, tu sors un bouquin aux éditions Flammarion. Le bouquin, parce que... Le bouquin de Philippe, comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec une toute petite bite, alors d'où t'es venu? Alors ça, c'est pas vrai. C'est tout ce que tu veux développer? Ça, c'est ce qu'il fait tout ça le temps. Ça se développe tout seul. Elle est dans le temps de l'émission en direct. Hein. Alors Philippe, on va refaire l'historique, non pas pour les gens qui ne te connaîtraient pas, parce que tout le monde te connaît, mais oui. C'est le premier livre que tu connais. Ah oui, c'est le premier, oui, c'est, j'espère que c'est le dernier d'ailleurs. Tu as rencontré Maryse à Europe 1, vous n'étiez pas libre tous les deux, et ça a été dans un premier temps le coup de foudre. Non, oh. Dans un premier temps le boulot, oui. Non, voilà, vous avez travaillé 9 ans ensemble. 6 ans. 6 ans. Au petit matin, 6 ans. Et puis un jour, eh ben voilà, vous êtes vus sous un nouveau jour parce que ça, il m'a manqué et il est devenu directeur de la station, donc enfermé dans son bureau. Il t'a manqué le premier soir. Pardon. Qu'est-ce que tu dis? Il t'a manqué dès le premier soir. Vous vous êtes rencontrés à Europe 1, mais il y a eu plein de couples mythiques qui se sont découverts à Europe 1. J'en veux pour preuve Julie qui a rencontré son petit Leclerc. Là, elle était devenu président, lui, c'est mieux que moi quand même. Hein, Julie? Oui, oui, on s'est rencontrés. Bah, c'est souvent dans le travail oui, qu'on se rencontre. C'est les filles. Non, oui, mais il y a un adage d'Europe. Qui dit no job in job. Et vous? Non, mais c'est vrai. Et ben vous. Il y en a un autre qui dit. Mais pourquoi pas quand ça fait plaisir et quand on aime. Tu te souviens que toutes les filles d'Europe, on avait notre vie affective à Europe 1. Oui. On avait toutes notre mec à Europe 1. Ouais, c'est incroyable. Exactement. Les 6 filles de l'époque. Où et vous, ma fille a appris à marcher ici, incroyable. Moi, donc c'est tout dire. Et vous les faisiez aussi, partie d'un... Non, pas du tout, moi j'étais pas dans le coup, c'est bien ça qui m'a... Non mais Julie, Maryse et d'autres, vous faisiez partie du club des salopes qui couchent le premier soir et vous... Non mais... Et dans 6 ans, on a ça va pas, non? Mais c'est toi pas, qui me l'as dit, Julie. Ça... Qui m'a dit, ah, j'en ai épongé de la direction ici. Oh mais... Julie, je n'invente rien. Oh là là là, c'est bien vache qui m'a raconté. Oh, oui, sûrement lui, oui. Ça m'étonne pas. Alors, il y en a eu plein. Oh non, arrête. Non mais si ton pêle-mêle, Catherine Ney et Jackie Gallois. Non mais Julie, il y a eu plein d'aventures. Là, c'est les couples que tu as constitué. Guy Carlier, Marc-Olivier Fougiel. Laurent Ruquier, Morandini. Frédéric Taddeï, Anne Roumanoff. Ah oui, mais ça, ils le sont grand ensemble. Public ne le sait pas. J'en passe, c'est des meilleurs. C'est vraiment. Il y a un côté. Je sais pas qui te fait tes fiches, mais alors. Ouais, non, hein. Ce sont des stagiaires qui ne sont pas rétribués. Ah bah, c'est la raison pour laquelle ils se trompent. Ça s'entend. Alors, je voudrais qu'on revienne sur votre histoire d'amour, parce que tu en parles pas mal dans le bouquin. Et ta grande révélation, c'est quand tu l'as vue nue pour la. Alors, juste. Vas-y, lis le passage. Non. Ah si, lis-le. Déboutonna mon caleçon et découvrit mon membre violacé et turgescent. Non mais je n'invente rien. Ah si, non tu n'inventes pas mais tu reprends ce que t'as dit il y a 3 semaines déjà. Avec qui? Bah, je sais plus, j'ai oublié le membre. Oh. Il a du métier, Philippe. On ne peut pas le baiser comme ça. Alors, Philippe, c'est le mot, c'est moi... vraiment le mot, surtout venant de toi. Et puis bon, comme tu fais partie de l'école Michel Drucker, il n'y a pas de retraite possible pour toi parce que ta vie, c'est le travail. Donc, bah voilà, tu t'es embarqué sur l'aventure Vivolta. Je voudrais te proposer une petite rubrique card qui démarre à la télé parce que c'est une chaîne pleine d'avenir, Vivolta. Est-ce que tu acceptes que je pistonne quelqu'un, que je te présente quelqu'un pour que tu la fasses un peu travailler? Bien tu as besoin de 109 dans ta chaîne. Bien elle sûr, s'appelle oui. Mado Morin, je voudrais qu'on l'accueille maintenant. Oui. Je la connais bien en plus. Bonjour Mado. Bonjour mon amour. Comment ça va mon amour? Ça va très bien. Bon, alors Mado, je vais te trouver du travail parce que Mado, elle est très jeune, elle a envie de travailler, elle n'a que 94 ans. Et elle a une pension ridicule, hein, je crois qu'il te donne 300 euros. 300 par mois. Ça ne suffit pas à vivre. Quand on sait totalement. Plus, j'ai débuté à 17 ans, j'en ai 94. Et puis Mado, rappelons que tu te défonces au crack, c'est peut-être ça qui... Non, mais, qui ça doit être ça. Ta jeunesse et tu as besoin d'argent mais pour te doper, tout simplement. Tout simplement. Alors voilà, tu as des idées d'émissions de télé? Oui, quelques-unes. Hein, et tu voudrais les soumettre à Philippe qui dirige Vivolta. Ah. Mado, je vous écoute. Puis on se connaît depuis longtemps quand même. Hein. Oh oui, ça fait un bout de temps. T'as pas noté ta rubrique, Mado? On t'a dit de préparer des idées. Des idées, oui. Est-ce que tu as travaillé, Mado? J'ai un petit peu, pas beaucoup. Hein. Alors Mado, je peux dire... Est-ce qu'on peut dire, Mado, que t'as rien branlé? Si, j'ai un peu branlé, mais enfin pas beaucoup.
Philippe, tu veux nous parler de ta jeunesse dans une famille bretonne consanguine et alcoolique, ça te ferait du bien. Moi, je suis l'aîné de 7 garçons. Ah, et qui faisait Blanche-Neige chez toi? Merci. Alors, quand je vous vois ensemble, moi, je pense toujours à ce souvenir épouvantable, la mort de Coluche, où vous avez fait cette émission ensemble, en pleurant à l'antenne avec Michel Denisot. Ah, oui. Et ça a été terrible pour vous à faire, terrible pour nous à regarder, parce que c'était un jour de deuil national. Et bizarrement, ça reste pour moi un des plus beaux moments de télé que j'ai vu, de sincérité et d'émotion, et puis de gens légitimes. Parce que le problème, quand les gens disparaissent, c'est qu'on interviewe des personnes qui ne sont absolument pas légitimes pour rendre hommage aux personnes disparues. Et ben vous, on ne pouvait pas trouver... Les circonstances étaient un peu particulières, hein, parce qu'on travaillait tous les deux à cette heure-là quand on a appris la mort. Donc, quand tu le prends au téléphone en pleine gueule... c'est si peu prévisible. Après, c'est facile de dire, il faisait de la moto, c'est dangereux et tout, mais sur le coup, ça paraît incroyable. Et comme juste après, Denisot a appelé, c'était lui qui était déjà en pleurs, il a dit, vous pouvez pas me laisser tout seul, et c'est comme ça qu'on a fait cette émission. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait la vie aujourd'hui avec Coluche, surtout dans cette période de récession, on ne peut plus rien dire? Et nous, on peut remercier Europe 1 sans trop lécher le cul de la direction. On peut quand même remercier Europe 1 parce qu'on a un petit espace de liberté ici qui est très agréable. Mais Coluche, est-ce qu'il pourrait refaire son boulot normalement? Je sais pas. Si Coluche et des proches revenaient aujourd'hui? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est dans ce studio, il y avait encore un podium à l'époque, que se sont mariés quand même Le Luron et Coluche. Oui. Et ça a été... La fin du mariage était là. Et le mariage a duré toute la journée dans les rues de Paris avant de se terminer ici, avec Eddie Barclay en femme, tout en blanc, évidemment. Donc je suis d'accord avec toi. L'espace, même ne serait-ce que l'espace d'expression qu'il avait à cette époque-là, il ne l'aurait plus maintenant. Je ne suis pas sûr, tu sais. C'est devenu très compliqué. C'est plus compliqué. Mais je pense qu'il aurait continué quand même. Oh, oui. Parce que tu ne pouvais pas l'arrêter en cours de route. Ah non, je ne dis pas qu'il n'aurait pas continué. Voilà. La première fois, il est venu ici, le père à Kletman, qui l'a fait venir, mais qui est mort aussi. René Kletman. Attends, il est 14 de cette émission. Non, mais quand. Oui, c'est vrai, Franck, on est à 22. On est à 9-10 morts. Quand Kletman le prend, il est obligé de le foutre à la porte quand même 9 mois plus tard. Hein, il a pas fait une année complète. Restons dans le devoir même de mémoire. Même pas autant que ça, je crois. Et pourquoi il était parti au bout de 9 mois? À cause des militaires et des soldats. Il passait sa vie à taper sur les soldats. Les militaires et les soldats. Il tapait sur les curés et sur les militaires. Donc ça faisait deux corps bien... Et il a fait 15 jours à RMC. Non, il a fait 12 jours à RMC maximum, à mon avis. C'était les deux salopes sur le rocher. Hein. Restons dans le devoir de mémoire. Alors qu'il avait pour consigne de ne pas parler de la famille princière. C'est parce qu'il lui avait dit, précisément. J'aurais qu'on reste dans le devoir de mémoire et qu'on se souvienne du jour où la chanson française est morte. Allez, Maryse. Amour. 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 Ah, ça donne envie d'acheter des croquettes. Vous l'avez retrouvé, ce truc? Ben c'est le professionnel. Mais c'est sorti en 45 tours. Oui. Non, en 1945. ça a été repris par Vartan. Écoutez les paroles. Comme une photographie où il n'y aurait personne. Elle a quand même une voix magique, non? Amour. Non. Bah si. Amour. Si, c'est très sensuel. Qu'est-ce qu'on a pu se branler à l'époque? Arrête. C'est dans quelle année, Maryse? J'ai envie de t'écrire et je n'écrirai pas. 81. Tu courais au ralenti sur la plage nue? C'est avant moi, en tout cas. On dirait elle m'a pas demandé mon avis. C'était pour toi, non? Ah non. Ah bon? Non, c'est Chagrin d'amour. Mon ex-fiancé qui m'avait largué. Oui, c'est Chagrin d'amour. Après la chanson? Non, avant, justement. C'est pour ça que tu as la chanson. Je t'inventais des masques les nuits de carnaval. Ah, c'est beau.
Je te disais bonjour. Je t'inventais des capotes la nuit de Partos. On a une nouvelle. Le producteur de cette chanson est mort aussi. Non, puisqu'on en est au 15e mort. Mais Marie, c'était qui ce mec? C'était Jean Albertini. Voilà. Ah oui, il s'occupait des disques à zèle. Il s'occupait de ses Jérômes. Oui, c'est Jérôme. Il est mort aussi. C'est Jérôme. Donc il n'y a plus que moi. Il est à 15. C'est le Père Lachaise, cette émission. Mado, on a bien fait de venir. Oui. Non, écoutez la fin. C'est prenant la fin. J'adore. De cet instant qui passe aux années qui viendront. Et puis la solitude. Ça te fait quoi d'entendre ça de nouveau? Et puis d'autres chansons. J'ai pas entendu depuis 81, ça fait un choc. Hein. Ça fait penser à mon berger allemand qu'on est obligé de faire piquer. Après, il faut que tu précises pourquoi, c'est la musique. C'est la pub frolique ou je sais pas quoi. C'est ça, ouais. Royal Canin. Mais chacun a sa chanson, Philippe. Petit avec des grandes oreilles. Petit avec des grandes oreilles. Ah, comment ils s'appelaient eux déjà? Ah oui. Petit avec des grandes oreilles. Bill Baxter. Et toi aussi, t'as ta chanson. Aïcha. C'est le nom de ma femme, ouais, ouais. Ah, voilà. Eh ben, que tu as rencontré sur Internet, voilà. Sur un site dont tu veux... Non, c'est pas la plus. On ne touche pas je la Je n'y famille. Rien ce soir. Même pas ça. Elles sont toujours... Alors, rappelons que le mot interdit n'est pas tombé et que personne ne s'est pris mon verre dans la gueule. Tant mieux. Voilà. Avec tant mieux, dis donc. Antoinette, ce gars de 119 coups... Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Les gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes. Ça fait mal, hein. Bonjour Brigitte. Ouais, bonjour Laurent. Ta question. Je te fais de gros bisous d'abord. Hein. J'adore ton émission. Moi aussi, je te lèche. Ah. Alors écoute, j'ai une question pour Franck Leboeuf. Oui. Bonsoir. Vite, il a rendez-vous à l'abattoir dans 10 minutes. il a accepté de faire l'émission Koh-Lanta. Oui, Koh-Lanta. Et je voulais savoir si c'est lui qui a gagné. Alors moi je sais. Il ne peut pas le dire. Allons. Moi je sais qui a gagné. Ok. Je sais que contractuellement on n'a pas le droit de dire qui est le gagnant. Je sais. Laurent, tu ne peux pas me refuser ça. C'est pas je n'ai pas le droit. Je peux me faire attaquer. Je peux simplement te dire que Franck n'a pas gagné. Attends. Et Franck n'a pas démérité, mais Franck n'a pas remporté Koh-Lanta. Je ne trahis pas un secret. Tout le monde sait que t'es un baltringue. Moi, je te le dirai pas. Non, mais moi, je te le dis. Tu ne me foutras pas dans la merde. Faut pas dire. On va recevoir. Je t'écoute. Si tu es attaqué en justice, je t'accueille chez moi. Oui, je ne sais pas si c'est rassurant. Est-ce que tu peux me décrire ton petit intérieur sans jeu de mots aucun? La prison des Baumettes. J'ai un petit salon de 60 mètres carrés. À 9 mètres près, je venais, dis donc. Je fais du ski tous les week-ends. C'est génial, on t'appelle le tire-fesse. Génial, quoi. Hein. C'est... Brigitte, on t'embrasse, on va te faire un cadeau. Moi aussi, merci, un canard vibrant. D'accord. Elle veut son petit canard vibrant. Avec GPS intégré pour se localiser dans les galeries. Le dernier modèle. France, bonjour. C'est une question pour Franck Leboeuf. Oui, bonsoir. Oui, bonjour, pardon. Que pensez-vous de l'équipe de Domenech? Joker. Un autre joueur de 98 de la merde. Il en a marre, il en a marre. On a eu récemment des réflexions de Jérémy Toulalan qui disait que l'équipe de France 98 la faisait chier. Donc moi je trouve qu'à un moment donné... On n'a jamais critiqué, je n'ai pas vu un joueur de 98 critiquer l'équipe de France de maintenant. On critique bien sûr Domenech, parce qu'on pense comme tout le monde qu'il a fait son temps. Et même je vais plus loin, moi c'est que je pense qu'on l'a laissé en place. Donc il y a des gens aussi qui ont pris une décision. Et je pense que ces gens-là aussi doivent... Qu'est-ce que tu as comme solution, par exemple? Est-ce qu'on peut envisager l'euthanasie pour Domenech? Non, mais moi, maintenant, ça devient ridicule. Ils ont scellé son sort avant la Coupe du Monde, et maintenant, il fait plutôt de la peine qu'autre chose. Quoi. À part Gildas à la télévision, je n'ai jamais vu quelqu'un déployer autant d'énergie pour garder son boulot. C'est incroyable. Oui, mais moi, je ne joue pas avec mes pieds. Moi, l'équipe de France, je suis un grand supporter de l'équipe de France. Je veux que l'équipe de France aille le plus loin possible. Mais c'est vrai que vu ce qu'on voit en ce moment et vu ce qu'il est et comment a été géré les 6 années de Domenech, je pense qu'on est très mal parti. Et je suis supposé parler après ça?
Non, d'accord. J'en profite, merci. Laurent, je dis que j'ai jamais critiqué un joueur de l'équipe de France et jamais je le ferai. J'ai trop de respect pour sauf ma connard carrière. Que tu veux pas voir. Comment bah, on le dira pas. D'accord. Bah, en tout cas, Franck, on va venir t'applaudir. Merci, j'espère. Au théâtre. Du Temple, à du Paris. Temple, ouais. À 21h30. 21h35, on m'a dit. 21h30. N'arrive pas en retard parce que. Ça s'appelle l'intrus, non ? Ça s'appelle l'intrus. Ouais. Bien, merci. Ça a commencé mardi. Ça a commencé mardi et c'est une belle comédie policière avec qui j'ai l'honneur de jouer. C'est Jean-François Garraud oui, qui est extraordinaire. Ça sent le Molière, hein, cette histoire. Non, mais c'est une belle histoire, c'est très marrant, mais c'est aussi très profond parce qu'il y a une affiliation qui se crée. Puisque dans la pièce, moi, on apercevra que j'ai pas eu de parents et lui, il a pas eu de fils, pardon. Donc, on se jette dans cet amour paternel. Sans dévoiler la fin, parce qu'on a été contractuellement, on n'a pas le droit de dire que tu l'encules à la fin, mais. C'est les mêmes producteurs que Koh-Lanta. Oh, t'es nul. Rien à voir. On peut pas dire la chute. En tout cas, j'espère que tu feras mieux dans cette pièce qu'à Koh-Lanta, où tu n'as pas gagné. Mais, mais quand même, tu as, comme disait Coubertin, hein, l'important, c'est de prendre l'avion. Et bravo, on ira t'applaudir au Temple. Merci beaucoup. Merci. Que tu mets dans sous, ton oreiller. C'est génial. Sous ton oreiller. Sous ton oreiller. Et à ce moment-là, tu fais comme ça. Ah, ça vous réveille. Je positionne bien là et je fais. Attention, tu prends la peau avec. Hein. Mais clac oui. Ah, maintenant que tu l'as bien chauffé, il faut la baiser maintenant. Happy birthday to you. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Tu vas retirer tes dents. Et tu vas remercier Jérôme. Amenez-moi un gobelet. Vous pouvez me passer l'autre con ? Qui ça ? Bah l'autre, le con là. Ah oh, zut. Dis-moi, espèce de connard de français, tu veux que je te bute hein ? Vous connaissez Jérôme Bonaldi ? Mm-hmm, oui. Ah bah il va vous parler. Est-ce que vous allez le reconnaître ? Ça fout les boules ou pas ? Les objets, les objets. Laurent Baffi, c'est quoi ce bordel ? On est avec Akhenaton, Marie Zéphy, Gildas et Mado Morin qui est resté avec nous. On va maintenant accueillir quelqu'un qui est concerné par le troisième âge, le quatrième et le cinquième, qui travaille de près, main dans la main, avec Philippe Gildas. Monsieur Bonaldi ! Alors Jérôme, c'est un des rubricards, je ne sais pas si on peut dire rubricard, Jérôme, oui. Le oui, plus oui. demandé du PAF parce que tu collabores à environ 257 émissions. On te voit partout, chez Guillaume Durand, chez Philippe Gildas. Chez Laurent Ruquier. C'est même le seul mec de Pôle emploi qui a trouvé du boulot. Alors toi, tu as bossé, est-ce que tu es un bosseur ?
Et tu as préparé des petits gadgets, parce que tu es monsieur gadget, pour les personnes un peu âgées. Troisième et quatrième âge même. Alors, le premier truc, c'est une zapette pour les personnes âgées, qui quelquefois oublient un peu leurs lunettes et ont des problèmes de lignée, on n'arrive pas à toucher Parkinson. La bonne touche. Voilà. Et donc, c'est une zapette qui est, en fait, non pas deux fois, mais quatre fois plus grande que les autres. Et c'est une vraie zapette, c'est en vente libre. Ah ouais, et c'est vachement bien. C'est génial. Non, et on se dit, je la veux, moi. Ouais, elle est vachement bien. Parce que là, on dit, ouais, c'est pour les vieux. C'est pas vrai. Pas du tout. Un, on la perd pas. Deux, elle est très pratique. Trois, elle est anti-choc. Elle craint rien. Et c'est vachement pratique d'avoir des grosses touches. Et il faut 50 piles là-dedans. Il me l'a montré en 1987. Oui. Attends. Et le succès ne se dément pas. Et il y a un tiroir à couche. Ouvre-le. Non, c'est pratique. Le réveil pour les personnes très, très âgées qui ont du mal à se réveiller. Mais un jour, elles ne se réveilleront plus jamais. Oui. Et là, à ce moment-là, là, bah, justement, et bah, ça marche aussi. L'idée, c'est un réveil. Un, tu peux pas dire que il s'est débranché parce qu'il y a une coupure d'électricité parce que t'as pas payé à cause de ta retraite. Voilà. Voilà. Donc t'as plus d'excuses quand tu arrives en retard. Il se remet à l'heure automatiquement par la radio. Deux, il y a des piles à l'intérieur, donc il dure comme ça 3 semaines. Deux. Fais voir l'objet. Alors quand il Il est moche, hein. Oui. Où qu'il est laid. Ah oui, oui, ouais. Mais pratique. Oh là là. Quand ça sonne, ça commence à faire très fort. Et après, ça s'appelle lève-toi, connasse. Debout, la vieille. C'est un peu ça. Si, même si t'as mis les boules quies, à ce moment-là, il y a des flashs. Il y a un truc. On te retire des points sur le permis. C'est agressif, arrête. Mais c'est une radio, c'est un radio réveil. Oui, il peut faire radio réveil. Trois. Si jamais vous avez vraiment mis les œillères, les boules quies pour pas entendre, il y a ce branche. T'as une jeune sur les couilles et quelqu'un qui pédale. C'est presque ça. Et tu balances l'adresse de Jean Moulin tout de suite. Le portable. C'est un vibreur que tu mets dans sous ton oreiller. C'est génial. Sous ton oreiller. Sous ton oreiller. Ah. Et à ce moment-là, tu fais comme ça. Et ça vous réveille. Attention à ma dos. Oh non, elle n'est pas fragile. Elle n'est pas fragile. Je vous fais le réveil vibrant. Regardez, ça fait ça. Ça va être agréable. Jérôme. Jérôme, maintenant que tu l'as bien chauffé, il faut la baiser maintenant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 4. Si jamais vraiment ça se réveille pas, regardez ici, il y a deux prises téléphoniques. C'est-à-dire que ça peut se brancher sur le téléphone. Dans le pire des cas, ça appelle ton médecin, ton copain, ton voisin du dessous. Et sinon, le copain ou le voisin du dessous peut t'appeler. Autrement dit, on rigole, mais c'est vachement sérieux ton truc. C'est vachement sérieux, c'est très pratique. Sauf qu'il est laissé dommage. Oh, ils ont vous raté. Êtes... Non, il ah non, ça me rappelle les années 70. C'est pas mal. Et Jérôme, si tu l'offres à Mado, qu'est-ce qui se passe au niveau du produit? Ils vont te faire un procès? Mado. Oui. Monsieur et Madame Doro, les fabricants sont heureux de vous offrir ce réveil. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mado, dans la vie, on n'a rien sans rien. Allez. Tu vas retirer tes dents. Et tu vas remercier Jérôme. Amenez-moi un gobelet. Oh non, Laurent. Alors là, je peux pas tirer mes dents. Pourquoi il est toujours allumé, là? Comment on fait? Alors, j'ai un dernier objet. Quand on est très vieux et un peu courbattu, qu'on a du mal à se baisser, à se courber, parce que ça craque de partout, oui. Et qu'on a envie de se couper les ongles des pieds. Oh, c'est ça. L'amputation, eh oui. Non. C'est un coupe-ongle. Simplement, au lieu d'avoir un coupe-ongle que je vais voir, il est au bout d'une rallonge. C'est génial. Une immense rallonge. Ah, mais c'est comme les grattes d'eau. Oh non, mais on se blesse avec ça. J'adore. Mais vous le faites, dans l'intimité de votre foyer. Mais oui, parce que regardez, donc là, vous voyez, attendez, non, mais c'est pas possible. Le coupe-ongle. Vous avez vu, le coupe-ongle, paf, paf. C'est génial. Normal. Tu as le vibromasseur pour la voisine de palier? Et comme. Télescopique. Comme on se met comme ça, assez loin. C'est génial. T'es là avec ton pied et tu ne vois plus. Non, parce Jérôme, t'as de mauvais yeux. Jérôme, on va le faire vraiment. Retire ta chaussure. On va le faire vraiment. Comme on a des problèmes de vue, on voit pas très bien. J'ai mis le fromage? On voit pas très bien comment ça marche. Alors hop, vous prenez le coupe-ongle comme ça, vous le positionnez et là il y a la loupe. Mais attends, que mais vous pouvez régler ton et vous cou, voyez là, c'est pas... quoi? Tu vas te faire mal. Coupe les ongles. Et vous avez vu, en plus, ça peut se faire à deux mains. Regardez, hop, je l'ai comme ceci. C'est top. Voilà, je positionne bien là et je fais. Attention, tu prends la peau avec. Hein. Mais clac. Oui. Clac, ça y est. Ça claque, je me coupe les ongles. Jérôme. Mais non, ça ne pas fini. Jérôme, prends ta branleuse automatique maintenant. Non, ça suffit. On rigole, mais qui sait? Parce qu'on s'éclate.
Ça, honnêtement, tu passes. C'est, j'ai bien compris. Pour ceux qui ne peuvent pas se baisser, c'est vachement utile. Et ceux qui se sont cassés la gueule, est-ce qu'ils. Un pied le lundi et l'autre pied le mardi. Hein. Non. Philippe, ça te prend la journée. Non, mais on a le temps. Philippe. Et le docteur vient le mercredi. Ramasse le bout d'ongle. On va foutre ça sur une scène de crime, ils vont se régaler. Bonaldi est le seul mec que j'ai jamais vu se laisser pousser tous les ongles. Vrai par ou pas conscience vrai. Professionnelle, voilà. Pour pouvoir les couper ensuite à l'antenne. Parce qu'on, on... Non, moi, menteur moi c'est qui... Pour autant servir comme tournevis ou n'importe quoi, il y avait toi des gens. Tu sais, Laurent, qu'on a été tous les deux, on a fait le premier téléachat sur Canal. Ici. Exact. Avant Julie. Et ça d'ailleurs. Se tournait dans ce studio, non ? Oui, ouais, on le faisait là, ouais. et je prenais l'antenne à 9h après. Ouais. Gilbert, bonjour. Oui, allô ? Bonjour, Gilbert. Oui, bonjour. T'as l'antenne. Ah, ok. Je voulais dire que j'avais lu le livre de Philippe Gildas. L'excellent livre de Gildas. Allô ? L'excellent livre de Gildas. Petit avec des grandes oreilles. Petit avec des grandes oreilles. Ouais, je trouve pas ça marrant de se moquer des Bretons. Je suis breton. Et j'ai des grandes oreilles aussi. Et je trouve pas vraiment. Enfin, je comprends le truc, mais je trouve pas super marrant. Mais je me moque pas. C'est ma fille qui se moque de moi. Oui, non, mais je trouve pas vrai. Marrant Baffi, de toute façon. Ah non, oui, mais... il est pas sympa, Baffi. Hein. Vous le connaissez pas, moi je le connais bien. C'est vrai que ça peut être un peu réducteur pour les Bretons et que les gens, un peu, ce sont des gens qui sont fiers de leur bled pourri quand même. Non, mais vous m'en voulez d'avoir mis Breton dans le titre ou Grandes Oreilles ? Ouais, Breton, Grandes Oreilles, tout quoi. Ah bon, C'est pas respectueux pour les alcooliques, c'est ça, Gilbert, ce que tu veux dire ? Ouais, bon, enfin bon, voilà. Oh, c'était un peu d'humour quoi. Ouais, mais vous pouvez faire aussi bien sans humour quoi. C'est pas pareil hein, quand même. Mais alors Gilbert, toi qui sens manquer d'humour, qu'est-ce que t'as pensé Gilbert. De cette grande période de Canal? Par exemple Les Nuls, tu regardais? Non mais moi je trouve de toute façon tout ce qui est rire et tout, je vois pas d'intérêt quoi. Ouais, je suis d'accord. Ah bon, alors... Là je suis d'accord. En plus c'est pas obligatoire. Est-ce que vous êtes ami de Baffi? Non. Si Baffi vous n'aimez pas, pourquoi vous l'avez appelé? Exact. Pour lui dire quoi, parce que tout le monde lui dit ouais. Ah oui, mais il s'en fout. Alors là, vous le connaissez pas. Il s'en fout complètement de ce qu'on lui dit. Non. Si c'est quelqu'un dont je m'en fous, tu vois. Mais oui. Si c'est pas quelqu'un pour lequel j'ai de l'admiration, de l'estime et de l'amitié, par exemple, si c'était Alain Chabat qui me disait ça, ça me ferait de la peine. Oui. Mais comme c'est Alain Chabat. Je vais pas te dire ça, mais je vais pas te dire ça parce que moi, tu sais que je t'aime, mais ce Gilbert, il est un fake. Ah, ça y est, d'accord. Ça y est. Merci Alain Chabat. Philippe, bon anniversaire. C'est ton anniversaire. Non, c'est ma fille. Mais non. Rappelons l'anagramme incroyable de Alain Chabat, Habitat Canal. Tout à fait. Ah c'est bon incroyable. Ah, Habitat Canal. Comment ça va, Alain? J'ai un portable très pourri, alors j'entends une vanne sur deux, donc c'est pour ça que je ris une fois sur deux. Eh bien, on va te faire gagner un portable LG. Voilà, et là, par exemple, je suis en taxi, j'entends plus rien. Et tu vas où? Dans ton cul. Petite bourgade. Alain, tu peux juste nous passer le chauffeur de taxi, s'il te plaît? Bien sûr, je vous le passe, mais là, il conduit, alors... Oui, mais deux secondes. Monsieur, je peux vous passer Laurent Baffi? Ah, voilà, il se gare. Je vous passe, ne quittez pas. On entend pas très bien. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Où êtes-vous actuellement? Avenue Messine. Avenue de Messine, et vous l'emmenez où, Alain? Je suis bête. Sans être indiscret, il va encore voir sa pute. Vous êtes formidable, je vous regarde tout le temps. Ah, c'est très gentil, monsieur. Alors, votre chef, elle est là, moi. Vous êtes de quelle origine? Moi, je suis d'origine iranienne. Iranienne? Oui. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment? J'ai fait la télévision pendant 20 ans. Pardon? Oui. J'ai fait de la télé. Vous avez fait de la télé? Oui, pendant 20 ans. Bah, racontez-nous tant que le compteur tourne, racontez-nous. C'est votre anniversaire? Non, c'est Alain qui a souhaité l'anniversaire de tout le monde. Vous êtes content d'avoir Alain Chabat? Oui, d'accord. Vous savez qu'il ne paye jamais ses courses. Au revoir. Alain. Alain, il n'a pas une voix géniale, c'est pas la meilleure voix du monde. Ouais, il est top. Moi, très sympa. On va jouer à deviner d'où tu viens là. Je viens des enfants de la télé. Ah. Et tu retournes chez toi? Bah oui. Alors, où est-ce qu'on peut t'écrire, Alain? pour les gens qui ont envie d'avoir un contact direct avec toi, quelle est ton adresse? Alors, mon adresse, notez-la bien. Oui. Oui.
C'est le SSF Avenue, la CEP à Paris. Merci, on t'embrasse. Bisous, ma poule. Eh ben, gros bisous à tout le monde. Je vous on embrasse. Et, oui. Et monsieur le chauffeur de taxi vous fait des gros bisous aussi. Ça y est, je suis arrivé. Alors, vas-y, décris-toi, t'es habillé comment hein. Alors, j'ai ma petite robe bleue, hein, comme d'habitude. Hein. Monsieur, vous pouvez faire sur 1250 euros. Non, c'était une blague, monsieur. Non, pas. Alain, les gens vont t'applaudir à la hauteur de ceux qui t'aiment dans le studio. Écoute bien. Vous êtes très sympa, je vous invite tous chez moi, vous êtes 78 avenue de cette. On arrive. Bon, tout de suite, hein. Oui, je vous accompagne au show. Bisous. Julie, il y a combien dans la cagnotte ? 11 287 368 euros. Je triple cette somme. 33 862 104 euros. C'est beaucoup d'argent, on va appeler la Bretagne. Ni allô, ni bonjour. Oui. Allô ? Oui. Bonjour. Bonjour. Oh, quel dommage. Ni allô, ni bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Baffy pour Europe 1. On vous appelait pour un jeu stupide qui s'appelle le ni allô, ni bonjour. Et vous avez craqué, vous n'avez pas dit allô, mais vous avez dit bonjour. Du coup, vous avez perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte ? Oh, il y avait 33 862 104 euros. Pas trop déçu, madame ? Allez. Vous êtes en Bretagne, madame ? Oui. Dans quelle région de la Bretagne ? Je vous demande ça, parce qu'il y a Philippe Gildas avec nous. Un vrai breton. Bonjour. J'ai qui au téléphone ? Laurent Baffy, sur Europe 1. Avec Julie, Philippe Gildas, Jérôme Monaldi, Maryse, Mado Morin, Akhenaton du groupe IAM. C'est pas de la merde, c'est un beau plateau. J'ai un petit peu du mal à le croire, là. Alors, oui, donc on fait un jeu. Je vais vous mettre le jingle Europe 1. Je vous passe Michel Drucker. Bonjour, c'est Michel Drucker. Je vous passe Jean-Pierre Foucault. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Et Thierry Ardisson. Salut, c'est Thierry Ardisson. Tu baises ? Quel est votre prénom ? Géraldine. Tu fais quoi dans la vie, Géraldine ? Non, mais j'aimerais savoir qui est au téléphone. Je te passe Johnny Hallyday. C'est Laurent Baffy qui est sur Europe 1. C'est lui qui vous parle, Géraldine. Non, j'y crois pas. Mais si, Laurent, vas-y. Comment on peut le prouver ? Est-ce que vous connaissez la voix de Philippe Gildas, Géraldine ? Non. Ah zut, de Maryse. Ah non, elle a oublié, non. Ah, bah, Akhenaton. Oui, Akhenaton. Vous connaissez Jérôme Bonaldi ? Mm-hmm, oui. Ah bah, il va vous parler. Est-ce que vous allez le reconnaître ? Ça fout les boules ou pas ? Les objets. Jérôme, star international. On se fait chier à faire des carrières. Lui, il vient avec une télécommande de 8 mètres de long. Et c'est la star. C'est qui fait l'Olympia, hein ? Géraldine. C'est Jérôme, là. Géraldine, c'est vraiment une émission de radio, je vous jure. Non, bah, j'y crois pas. Mais si, bah, comment c'est on peut difficile. J'avais demandé les urgences psychiatriques. Géraldine, ça s'appelle C'est quoi ce bordel ? Est-ce que tu aimes la grande chanson française ? Oui. Amour. Mal de toi. Ouais. Ça te brûle toujours quand tu fais pipi ? Il est minuit à Rome et je pleure à Paris. C'est stylé. Arrête ! Il est minuit à Rome et je pleure à Paris. Ah, c'est beau ! Je le veux dans mon iPhone, dans mon iPod. Et puis, est-ce que tu aimes IAM, le groupe IAM ? Non, du tout. Ah bah, c'est bien. On est avec Akhenaton, le chanteur d'IAM. Bah, il est là. Tu peux... Pourtant bien. Hein. Non, mais il est bien, le triple album. La face B, ça s'appelle. Eh bien, je vais bien écouter, alors. Eh bah, tiens, on va te mettre un extrait. Moi qui parle, qu'est-ce que c'est ? C'est particulier, le napolitain. C'est une langue à part entière. Le papy napolitain, fana. Oui, j'ai bouffé du poupe pendant 20 ans. Comme Antonio Montana. Pour moi, tous les
français et tes autres c'est vieux mais derrière les deux portes quelque chose dans le sang parle tout bas à Paris je suis perdu en Sicile je suis chez moi la Méditerranée chante dans mes paroles qui s'envole je me rappelle à l'école je voulais être différent original dans le vent ça criait l'Amérique dans tous mes vêtements interloquer les ignorants gloussés comme des idiots. Géraldine, c'est super bien. Oui, oui, oui. Mais en fait, j'écoute pas trop. Je suis sur le coup d'internet de repas, j'arrive pas à vous trouver. Mais non, on n'est pas en direct. Géraldine, t'aimes bien? Oui, oui, oui. On peut pas ne pas aimer. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que je t'envoie l'album. Et le deuxième effet qui se coule, c'est un triple album. Ouf. Super. Face B, voilà. Je vois ça, moi. Bisous, Géraldine. Oui, au revoir. Je rappelle qu'il y a un mot interdit qui est écrit là. Ah, mais on l'a toujours pas dit. Hein. Et la personne qui prononcera ce mot se prendra un verre d'eau en pleine gueule. Oh, il pourra riposter après. On a le droit de répondre. Bien sûr. Mais voilà, faut pas dire le mot interdit. Pour l'instant, ça marche assez bien. Franck, bonjour. Oui, bonjour. Ta question, Franck. J'ai une question pour Monsieur Philippe Gildas. Et bonsoir. Vous écoute. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, quand vous étiez petit, enfin, quand vous étiez enfant, parce que vous êtes toujours petit, quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez une babysitter avec, vous savez, le grand chapeau, là, blanc, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une bécassine. Une bécassine, c'est ça? Non, non, le truc blanc, là. Une bégoudaine. Voilà. Oh, oh le salaud. Ah, c'était ça, le mot. Ah, merci Pascal. Merci Pascal. Tu m'as sauvé la vie, Pascal. Bigouden. Ça s'écrit pas comme ça. Non, ça s'écrit E-N-E. E-N. Comment ça s'écrit? D-E-N. Ah, ben j'ai fait une faute. Merci Pascal. Oui. On va finir avec un passe-moi l'autre con. On va appeler en Corse Jérôme Bonaldi, qui va être brillant, vous allez voir. Oui, vas-y, Jérôme. Un prénom. C'est dur en Corse. Dur. Corinne. Difficile, hein. Allô. Ah, bonjour, je cherche Corinne. Elle dort, Corinne. Ah, attendez, il y a urgence. Vous pouvez me passer... vous pouvez me passer à l'autre con, il y a une urgence. Passez-moi à l'autre con, c'est plus simple, je crois. Allô. Vous pouvez me passer à l'autre con. Qui ça? Bah, l'autre, le con, là, Ah, oh, zut. Dis-moi, espèce de connard de français, tu veux que je te bute, hein? Moi, je me mets dans la peau de celui qui décroche. J'ai ça, je t'insulte, mais... Je dis pas ça pour te faire rêver, mais il gagne un coupe-ongle à rallonge. En titane. Un petit manon, la sacrote, elle tombe sur le nez de Lucas, qui dit bon Dieu, sa perle, heureusement que les vaches veulent ça pas. C'est Marine, là. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Pas mal encore, hein. Marine, elle assure bien. Je danse le mia, je danse le mia, je danse le mia, jusqu'à que la soirée vacille. Une bagarre au fond, vous allez voter. Tout le monde, c'est parti. Qui vote pour Brigitte? Brigitte, c'est le mia, hein. Qui vote pour Marine? Marine, t'as gagné. Ouais. Marine, bravo. Merci beaucoup, du monde. Marine a gagné le New Chocolate BL20 de LG, le nouveau portable. Oh, super, génial. Merci beaucoup. Tu es dans quel état? Comment? Tu es dans quel état après? Un petit peu essoufflé, tu vois. Épuisée, la pauvre, oui. Mais je connais la chanson par cœur. Hein. Ah bah oui, ça. Et ça donnait quoi, les paroles, déjà? Mon grand-père et ma grand-mère ont l'habitude de coucher sur moi, père Chacal, on duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club. C'est tout de suite. 3, 2, 1, DJ. Brigitte, c'est fini. C'est fini. Le jeu est fini. T'as perdu, Brigitte, mais t'as été... Oh, mais elle doit être aussi... Non, mais sérieux, la chaîne, depuis le début. Tu dois être sur les rotules. Brigitte, tu habites dans quelle région?
Tu me parles à moi ? Oui, à Brigitte. Oui, moi, j'habite dans l'Essonne. Ah, c'est pas loin de Paris. Alors, Brigitte, on va te couvrir de cadeaux. Couvrir comme de cadeaux, des places de tu spectacle. Tu vas aller au théâtre tous les soirs. On va te faire vraiment un paquet. Tu seras très contente d'avoir perdu. Et on t'embrasse, Brigitte. Merci bravo, beaucoup. Bravo, bravo, ciao. Vous bravo. Merci, les amis, pour votre participation. Papy, il baille, papy. Akhenaton, La Face B, un bouquin formidable, Ta vie, ton œuvre, et le triple album que je recommande à tout le monde. Philippe Gildas, comment réussir à la télévision quand on est breton avec des toutes petites couilles, une variante. Maryse, qui remplacera bientôt Julie, vous allez permuter voilà. Une semaine sur deux. La place. Jérôme Bonaldi, allez, ça fait plaisir de te voir voilà. Tout habillé, ça change. Mado Morin, merci. À bientôt, Mado. Et merci au public. That's it, man.